שלום תלמידים וברוכים הבאים לשיעור נוסף עם איציק המורה שלנו. שלום, שלום, מה שלומך? מה נשמע איציק? טוב. הכל בסדר? כן, מעולה. מה איתך? מצוין. אתה יכול בבקשה לספר לנו מה קורה בדיאלונג כשאתה מלמד את הכלל הזה? זה בהתחלה, au début c'est très difficile parce que ça n'existait pas en français. Donc on pratique beaucoup 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 à l'école avec les élèves et à force ça devient automatique. Quand tu dis ça, tu parles du « être ». C'est le « être ». C'est des compléments d'objet direct. Ça n'existait pas défini. En français. Défini. Défini, oui, c'est important. Tu vas nous expliquer. C'est tu vas nous expliquer. Défini, c'est très important. « Shiur Mispar ». « Chèche ». Évidemment. Sur « À cours d'hébreu », vous avez une leçon complète sur le sujet et après, on en parle pendant plusieurs cours après. Et puis, grâce à « Dialang », ça permet de pratiquer voilà. avec d'autres élèves et aussi avec des professeurs. Okay. Avec moi. C'est l'avantage. C'est l'avantage de... Vous allez pratiquer ça avec moi. De dialogue. Mais vous allez avoir aujourd'hui un aperçu grâce à cette leçon numéro 6, Flash, et ha, COD, défini. Voici la démonstration d'éthique. Voilà. Explique-nous un petit peu, on aura après le récapitulatif qui se trouve sur votre PDF, mais tu vas nous expliquer quelle est la fonction de ce et. Très bien. Et si je te dis « je veux un livre », c'est défini ou indéfini ? Alors, je veux un livre, c'est indéfini. Indéfini. Donc, « un livre de CFR ».« Un livre de CFR », c'est indéfini. « Je veux un livre ». Tu ne sais pas de quel livre je parle. Non. Ok ? C'est indéfini. Très bien. Si je te dis « Ellie, je veux ce livre », là, c'est défini. Ben oui. Mais avant d'expliquer le « être », d'abord, je vais faire avec toi une petite révision en français. Ah. Est-ce que tu connais les verbes qui sont COD ? Qui demandent un COD après ? Oui. Manger ? Voilà. Je mange quoi ? Je mange quelque chose, c'est un COD. Boire ? Je bois quoi ? C'est un COD. Oui. Est-ce que voyager, par exemple, il y a un COD après ? Non, parce que tu ne peux pas voyager quelque chose. Voilà. Habiter, la gourde ? Non. Parce que tu ne peux pas habiter quelque chose, donc ce n'est pas un COD. Faire, c'est un COD. Mmh. Je fais quoi ? Je fais quelque chose, donc c'est un COD. Vouloir en hébreu, c'est un COD. Je veux quoi ? Je veux quelque chose. C'est un verbe qui exige un COD. Voilà. Maintenant, le « et », il est valable, mais à condition que le verbe, il sera un COD. C'est ce que je viens de faire avec Ellie. Comme par exemple, manger, boire, faire, vouloir. Mmh. OK ? Donc, en hébreu, quand c'est un COD mais défini, on remet les « et ». Alors, défini, ça veut dire qu'il y a « ha ». Voilà. D'accord. Donc, normalement, vous allez me dire « anirotse ». Ha, c'est faire. Eh ben non, c'est « anirotse » et ». Et « et », il est marié avec « ha okay. ». Le « ha », il est toujours attaché. Il n'y a pas en hébreu des lettres orphelines. Mm-hmm. Donc, « anirotse » et ». Je veux quoi ? Là, c'est défini. Là, c'est indéfini. Là, c'est défini. On va faire avec un autre exemple. Ellie, manger, on nous dit, c'est un COD. Je mange quoi ? Je mange quelque chose. Je mange un gâteau. C'est défini ou indéfini ? Je mange un gâteau, c'est indéfini. C'est indéfini. Donc, ça reste ani, ochel, uga. C'est indéfini. Par contre, Ellie, si je te dis « je mange ce gâteau », c'est défini. Mm-hmm. C'est un COD défini. Donc, « ani ochel et hauga ». Alors, pour être précis, je mange le gâteau. Voilà. Parce que ce gâteau, on sait le dire, c'est hauga azote. Oui, on peut rajouter c'est azote. On parlera après de... On peut rajouter azote, c'est pas obligatoire. On peut enrichir. Okay. Mais je vais mettre azote, voilà. Je vais le mettre entre parenthèses. Azote, c'est ce, ou cet ici, parce que c'est féminin. Là, je dis, je mange un gâteau, je mange le gâteau. Voilà. Donc, ani ochel et auga, ani shote et a café. Je bois le café. Ani shote café, je bois un café. Ani shote et a café, je bois le café. N'oubliez pas que le et, il est toujours suivi de ha, sauf lorsqu'il y a un nom propre. Là, on va voir. Aimer en hébreu, c'est un COD. Parce que j'aime quoi ? Je peux aimer quelque chose ou je peux aimer quelqu'un. D'accord ? Oui. Donc, je peux dire Ani. Là, Ohev, ça ne peut pas être indéfini. Ani Ohev, je sais qui. Ani Ohev est Israël. Puisque Israël, c'est un nom propre en hébreu ne supporte pas l'article défini. C'est déjà défini, puisque c'est un nom propre. Exactement. Donc, on dit « Ani Ohev et Israël ». Devant les noms propres, il y aura toujours « et », quoi. Ouais. Si c'est un nom propre. Mais si je dis « j'aime ce gâteau », c'est « Ani Ohev et Auga Hazot ». Ouais.
OK? La IA, Ouga, ce n'est pas un nom propre. Mais si je veux dire, Ani, j'aime David, Ani Oev. Et. Et David. David. J'aime Sarah, Ani Oev. Et Sarah. Et on ne dit pas Ani Oev et ha Sarah. Ani Oev et Sarah. Vous, vous dites souvent Ani Oev Sarah. Oui, c'est et. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut venir chez Dialog. Itzik, je mange un fruit. Donc c'est Ani Ochel Pri. Pri, comme. Boré pri à gaffen. Pri, c'est un fruit. Ani ochel pri, c'est indéfini, il n'y a pas et. Je mange le fruit. Ani ochel et. Ha. Et il est marié avec ha. Attaché. Ha pri. Ani ochel et ha pri. Mais bon, hein. Donc il ne faut pas oublier le et et ha. Mais ça, encore une fois, la théorie, c'est ça. C'est très important. Mais après, c'est à force de l'entendre. Voilà. En fait, l'apprentissage d'une langue. Il faut beaucoup, beaucoup écouter, à force de dire « Ani Oev et Aouga Azot »,« Ani Rotze et Apri Aze »,« Ani Oev et Israël ». D'abord, c'est l'oreille. Comme un enfant. Il commence à parler à 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. D'abord, il écoute. Et après, il copie. En fait, il dit ce qu'il a écouté. Moi, je suis une preuve vivante. J'ai appris le français comme ça. J'ai écouté, et en écoutant, j'ai appris à parler. Donc, vous, c'est pareil. À force d'entendre « Ani Oev et Israël »,« Ani Rotze et Aouga Azot », et après, la deuxième étape, qui est très importante aussi, c'est de le pratiquer, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et la Bible commence avec et. La Bible commence avec le mot Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Oui, le ciel et la terre. Il a créé le terre et la ciel, parce que c'est défini. Ben Gurion, juste une petite anecdote, il voulait supprimer les et, mais il n'a pas réussi. Ben non, c'est... Il y a peut-être 5000 occurrences dans la Bible. Il n'a pas pratiqué le et. Lui, il n'a pas pratiqué le et. Il voulait supprimer de l'hébreu, mais ça n'a pas marché. On ne peut pas réformer comme ça une langue de vieille de 3000, 4000 ans. Exactement. Et Itzik, toda rabba. Arshav, anachnu niret ha-shiur atzmo. Ok, yalla. Alors, notons que cette leçon fait référence à la leçon 10 des faux débutants sur le site à cours d'hébreu. La phrase à l'indéfini donnerait « je mange une pomme ». Ani ochel tapuar, indéfini. Défini, je mange la pomme. Ani ochel et ha tapuar. Dans ces deux phrases, le complément d'objet direct, COD, et le mot pomme. Pour trouver le COD, posez-vous la question « je mange quoi ?» Réponse, une pomme. Lorsque le complément d'objet direct est défini, le verbe est suivi de la préposition « et » et le COD porte l'article défini « ha. Rappelons que ha, ça veut dire le l'aller. Hein, c'est exactement. Quand il y a ha sur un COD, il y a et juste avant. Voilà. Et le ha, il a dit quelque chose de très important, c'est le l'aller. C'est plus simple. C'est facile. Voici quelques exemples. Ici, les phrases à l'indéfini. Ici, les phrases au mode défini. J'étudie une leçon. Ani lomed shiur. J'étudie la leçon. Ani lomed et à shiur. J'écris une lettre. Ani kotevet mirtav. Donc au féminin, kotevet. J'écris la lettre. Ani kotevet et hamirtav. On entend deux fois et. Ani kotevet et hamirtav. Ani kotevet et hamirtav. Je lis un livre. Ani kore sefer. Je lis le livre. Ani kore et ha sefer. Je veux un gâteau. Ani rotza uga. Je veux ce gâteau. Ani rotza et ha uga hazot. Regardez, là, juste entre parenthèses, mes élèves, ils ont souvent, ils ne comprennent pas pourquoi Azot, il est là. Mais 7, c'est toujours à la fin en hébreu. 7 ou ce, ou 600, c'est toujours à la fin. Anirotse et Aouga Hazot. Et pas Anirotse Azot Aouga, comme ils essayent de le faire. Anirotse et Aouga, je veux le gâteau. Anirotse et Aouga Hazot, je veux ce gâteau. Je montre. Voilà, on avait fait ça dans un cours précédent. Okay. Et pour les noms propres, quand ils sont COD, toujours et devant le nom propre sans le ha, bien sûr, car un nom propre est par définition défini. J'aime Hana. Ani Oev et Hana. Et là, c'est le seul cas où l'article défini, on ne le voit pas parce qu'il y a un nom propre. Toda rabba Itzik. Zemot barour. Yofi. Zemot barour. Si on faisait une petite pause et on se retrouve juste après pour la correction, tu vas donner les solutions à l'exercice. Itzik, c'était un peu comme la dernière fois, il fallait entourer les mots qui conviennent pour reconstituer la phrase en hébreu. Vous aviez la phrase en français ici, et là vous deviez entourer les mots qu'il fallait pour reconstituer la phrase correcte
Alors, vous avez vu, à chaque fois, il y a « est » en violet. Est-ce qu'on l'entoure ou pas? On va donner la correction. « Itzik, nous mangeons des fruits. » »« Nous ochlim et perot haperot. » Alors, « nous mangeons des fruits. » C'est « nous ochlim perot. » Tout simplement. Il n'y a pas « et ». C'est indéfini. C'est indéfini. Donc, on ne pourra pas mettre ni le « et » et ni le « ha ». Ils veulent voir ce film. Hem rotzim lirot et seret haseret haze oze. Ils veulent voir ce film, c'est défini. Donc, hem rotzim lirot et haseret haze. Si vous avez entouré ça, c'est que vous étiez... C'est pas difficile. Dans le bon. Gimel, tu aimes ce livre? At ohevet et sefer hasefer ze haze. Tu aimes ce livre défini? At ohevet et hasefer haze. Question? At ohevet et hasefer haze. Donc on met et, hein? Ok. Ici. Dalet, elle entend David. Hi shomat et David. Eh ben c'est correct. Tout est bon. Hi shomat et David. Et pas et ha David. Et David. Mais on peut pas dire hi shomat David. Non, hi shomat et. Elle entend qui? C'est défini. Et David. Ani ochel et tapouach. Je mange quoi? Je mange la pomme. Hé, vous ne mangez pas ce gâteau? Atem, lo. אוכלים את העוגה, עוגה הזה, הזאת. זה דפיני. אתם לא אוכלים את העוגה הזאת, עוגה זה פמינה. לא, זה הזאת. הזה זה פה מסקולה. יבן פיאז'. אתם לא אוכלים את העוגה הזאת? וו, דוד בוא ספים. דוד רואה את סרט, הסרט, זה, הזה. תחסם. זה דפיני. הרי, דוד רואה את הסרט הזה. Zain, elle aime beaucoup Tel Aviv. Hi ohevet, ohev, meod, et Tel Aviv. Hi, femina, ohevet, meod, et Tel Aviv. Pas l'article défini, un nom propre, Tel Aviv. Alors l'adverbe meod, il peut se mettre après ou avant le verbe. Hi meod, ohevet. Oui, on peut, on peut changer. Oui, on peut changer. Chet, elle mange la pomme. Hi ochel, ochelet, et, atapouach, tapouach, hazé, hazot. C'est défini. La pomme, pas une pomme. Hi ochelet et atapouach. Tapouach, c'est masculin. C'est tout. Atapouach, c'est masculin. Voilà. Hi ochelet et atapouach. On n'a pas dit ce pomme. Hi ochelet et atapouach. Elle mange la pomme. Toda rabba itzik. Bon, c'était pas compliqué, c'était un peu amusant. Il fallait jouer un peu à ce tout. C'est pas difficile. Il faut juste comprendre qu'il faut un verbe qui fait COD. C'est le plus important parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont oublié la grammaire. Ils ont oublié qu'est-ce que c'est un COD. Donc je rappelle, c'est pas grave, c'est normal. Donc si le verbe il ne fait pas un COD, il n'y a pas le et. Il n'y a rien à faire ici. Toda rabba itzik. On se retrouve dans un prochain cours. Si on veut pratiquer, on peut aller chez Dialogue. Venez me voir, on va pratiquer ensemble. On va apprendre, réapprendre et on va pratiquer aussi, surtout. Et si vous voulez un cours complet sur ce sujet, vous allez sur acoursdhébreu.com et vous verrez aussi Itzik dessus. Les drôles. Bye bye.